La mention pratique et ingénierie de la formation s'adresse en priorité à des personnels de l'éducation nationale en poste et en responsabilité. Elle vise le développement professionnel des compétences des enseignants et des cadres de l'éducation, et elle est pensée pour répondre à leurs projets d'évolution professionnelle. Elle s'appuie sur le référentiel de compétences de formateurs et se décline en 6 parcours comportant des spécificités. Le parcours Éclat, école inclusive et adaptation des pratiques pédagogiques aux besoins spécifiques des enfants et des adolescents, vise à construire les compétences de personnes ressources dans les domaines de l'inclusion. Il est articulé à la certification du CAPEI. Le parcours EDLF, expertise de la formation, a pour objectif de développer les compétences de formateurs dans tous les axes de leur mission d'animation et d'accompagnement des individus et des collectifs. Il est associé aux préparations du CAFA, certificat d'aptitude aux fonctions de formateur académique, et du CAFIPEMF, certificat d'aptitude aux fonctions d'instituteur ou de professeur des écoles maître formateur. Dans le parcours 2ESD, expertise de l'enseignement du second degré, les enseignants conforteront leurs gestes professionnels en vue de se constituer en référent dans leurs établissements. À travers le parcours POSEFI, pilotage des organisations scolaires et éducatives en France et à l'international, les personnels de direction accroîtront leur expertise de pilotage et de management pour des contextes pluriculturels avec des perspectives de prise de poste à l'étranger. Les enseignants du parcours CLIL, contenu disciplinaire et linguistique intégré pour les apprentissages et l'enseignement, développeront leurs compétences en apprentissage intégré des contenus et des langues et en discipline non linguistique au service de leurs pratiques professionnelles et des épreuves de ces certifications. Grâce au parcours PECO-SESCO, pratiques coopératives et climat scolaire, les enseignants des premier et second degrés s'approprieront de nouvelles approches pédagogiques en vue d'accompagner les collègues dans leur contexte d'exercice. Quels que soient les parcours, une attention particulière est portée à l'éducation inclusive dans une perspective d'accompagnement des équipes. Chaque parcours comporte des éléments communs portant sur les fondamentaux et des modules complémentaires qui permettent une personnalisation. Les regroupements en présentiel sont organisés sur période de vacances ou sur des mercredis en période scolaire. Des moments de formation à distance sont aussi mis en place, en particulier en fin de journée. Les stages font partie intégrante du développement des compétences en situation d'exercice. Ils se réalisent soit dans leur contexte habituel de pratique professionnelle, EDLF, 2ESD, PECO-SESCO, ECLA, soit dans des environnements nouveaux en lien avec les missions visées, POSEFI, CLIL, ECLA. Le parcours POSEFI dispose d'une convention avec l'AEFE qui ouvre des possibilités de stage à l'étranger. De plus, l'intégration de l'INSPE Lille-Hauts-de-France au programme Erasmus+, permet aux étudiants de la mention de réaliser des périodes de stage dans les établissements d'enseignement supérieur partenaires au programme. Les dossiers de candidature sont examinés par des commissions spécifiques à chacun des parcours. Ils sont constitués d'une lettre de motivation et d'un CV qui indique les expériences, les projets professionnels et les attentes vis-à-vis de la formation. D'une part, certains parcours préparent à des certifications qui permettent de s'engager dans de nouveaux projets professionnels. D'autre part, les compétences développées à travers le master peuvent être mises en évidence dans le cadre d'une évolution de carrière et donner l'accès à des postes à responsabilité dans le domaine de la formation et de l'accompagnement.